Thank you.
说路边还不一定专门大爷那个大爷你干的呢不来你干的你干的呢Ici, nous avons une croisade ici à Gros, où le Seigneur s'est puissamment manifesté. Pour nous, il faut mener un suivi, il faut continuer le suivi. C'est tout ce matin, les fêtes d'ailleurs, et c'est les élèves qui sont les questions, les cas de demain. Donc, pour nous, il fallait que je vienne aussi, que ce soit là matin, sur la tête, pour apporter ma contribution. Je suis venu là pour apporter une somme de 100 000 francs, symboliquement aux élèves. Voilà, pour une enfant sixième, pour que les parents puissent les soutenir. C'est vraiment un événement. Pour nous, il y a un suivi. Aider ces personnes-là. Elles sont demain la relève de ce village. Il ne faut pas les négliger. Et ça serait comme ça chaque année. À la grâce de Dieu, ça serait aussi comme ça. Et à l'année prochaine, pas tout comme ça. Nous allons comme ça, nous serons tout à l'heure à la cour. Remettre des cris sur l'air. Donc, nous sommes des moyens de développement. Parce que nous combattons ceux qui font la société. De développement. En même temps, il faut préparer les gens au développement. Quand on parle de développement, c'est les cadres, bien sûr. C'est l'école. Il faut aider les gens. Nous sommes là aujourd'hui pour que les gens aient la vie. Prendre goût à la vie. C'est la rencontre là parce qu'on est là. On est là pour les soutenir. C'est un modifié avec nous comme ici. Pour les aider à pouvoir se rendre compte avec les pieds sur terre. Salut.
Monsieur le communicateur, voilà, selon la coutume, hein, ici c'est le village. Et en toute localité, quand on y arrive, c'est un peu d'où on donne la voix d'abord, de façon symbolique. Voilà, pour demander les nouvelles. Comme tout à l'heure, mes parents m'ont chargé de vous remettre un peu d'eau. Est-ce que vous avez vu en esprit? Et dans la forme, vous avez dit que bon, vous êtes un peu sur la montagne. Donc, ce point, les parents maintenant me chargent après la consommation d'eau. Les premières nouvelles, notre patron. Merci. Les nouvelles sont bonnes. Hein. Nous sommes là juste pour un bon jour. Atuai. Allô. Quand on parle de la chefferie, c'est un ensemble. Il y a le chef, le principal et il y a la notabilité. Donc, on a en présence aussi quelques-uns des notables. Mais le chef lui-même s'était levé un peu, comme c'était dit que c'est à 9h, mais s'était levé un peu pour aller à l'école pour d'autres résolutions. Donc, on l'a appelé, il est en route. Mais néanmoins, les notables sont là. Donc, c'est un peu à son absence que cela se passe. Donc, pour les nouvelles d'ici, les parents me chargent de vous dire qu'il n'y a rien de mauvais. Voilà. Au fait, hier soir, le message était arrivé pour dire que le prophète venait ce matin. Et donc, c'est un peu dans cette attente-là que nous sommes. Et Dieu merci, nous l'avons vu arriver, fouler le sort, bien sûr, de quoi. D'accord, on doit d'abord les premières nouvelles pour nous saluer aussi. Voilà. C'est comme ça aussi. Ah non, vous êtes bénis. Ici, c'est ma chambre. Allô, 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 allô. Maintenant, c'est nous qui demandons les nouvelles de derrière. Ça, c'est du tapant aussi des choses. Les copiens, bon, ouais. Les nabes, ils vont qu'est-ce qu'ils font. Ils vont les copier, ils vont les mettre à la cour. Vous voyez un peu l'émotion. Ça dit que le problème est dit, les présidents, ça va là, mais nous, on n'est pas contents.
Mais bon, comme c'est un programme, c'est peut-être raison, nous voulons vraiment nous réunir dans la logique. Sinon, prophète, on allait rester avec lui jusqu'à ce matin. Voilà. Bon, prophète, le chef n'était pas là. On va lui transmettre juste un peu ce qui nous okay. Et puis maintenant, vous allez passer à la nouvelle équipe. D'accord. Mais c'est bon. Adieu, adieu, Nanjo. Nous, la bien connu. Ok. Mais nous, les Benéco, il n'y a pas de vie, on a pas de vie. Avant, nous, on a pas de vie. On l'a pas vu, il faut pas. On a un contact. Vous avez un bois. Sur le dos, quoi. Jacquaman, vous voyez, on a un président qui a un ami politique. Et le dos, vous avez un masseur venu. Donc, il y a un amour, il y a un peu de crise. On a un peu de crise. Ça. Attends, comme on l'a vu, il y a un peu de temps. On l'a vu dans le bain. Moi, je dis, il y a un peu de les parents me chargent maintenant, en présence du chef, de demander maintenant la nouvelle de derrière, comme on le dit hein, communément en Afrique. Les filles aussi, à quand à nous, les nouvelles sont bonnes. Amen. Les nouvelles sont bonnes. Vous connaissez bien mon combat. Mm-hmm. Le combat que je mène, c'est le mal contre le force du mal. C'est ça. Appelé la sorcellerie, qui est le mal cruel de l'Afrique. Et la sorcellerie met fond au développement. Fond de tout le monde. C'est la sorcellerie qui fait que nos cas ne viennent plus dans leur village. Et la région étant enclavée, nous autres, nous avons décidé de travailler. Pour travailler pour Dieu, pour sauver les âmes. Sauver les âmes. Vous m'avez invité ici. Par la grâce de Dieu, Dieu s'est puissamment manifesté, mais il y a un suivi. On suit le travail, ce qui est en train de se faire, par la grâce de Dieu, et qu'on ne peut pas parler de développement sans cadre. Voilà, donc, et qu'on parle des cadres, sont les élèves. Voilà, donc j'ai promis, j'ai dit aux gens, est-ce qu'il y a eu des gens qui sont passés en 6e, ils m'ont dit oui, il y a assez de monde. Donc j'ai décidé de soutenir ces enfants. Parce que pour nous, il faut qu'il y ait des cadres. Pour qu'il y ait des cadres, pour qu'il y ait la relève, pour que demain ce village soit développé. Donc voici un peu le combat que je mène. De décider, j'ai dit à hauteur de 150 000 francs que j'allais soutenir. C'est lui qui m'a rappelé, j'ai même dit me rappeler. Il m'a rappelé, j'ai dit, ben, je lui ai dit, j'ai mes crédits. Puis j'ai dit non, comme j'ai des kits, parce que je pars aussi à Zaroko, on fait aussi des dons à l'école. Donc j'ai décidé d'envoyer 100 000 francs aujourd'hui, 50 000 francs le lundi. Voilà, donc. C'est pour vous emmener l'argent, pour dire le prophète est de tout cœur avec vous. Voici les 100 000 francs. Oui. Yes. De... Acclamez-le, le prophète. Acclamez-le, le prophète. Acclamez-le, le prophète. Moi, c'est une manière de vous soutenir. Oui, c'est mon souhait, c'est qu'il y a des cadres ici. C'est le combat que nous menons. Il ne faut pas que les gens aient peur de venir dans leur village, parce que nos enfants ont besoin d'un suivi. Voilà, nos enfants ont besoin d'un suivi. Parce que le travail, en tout cas, est un suivi. Pour nous, notre prière, nous projetons des choses dans l'avenir, il faut qu'il y ait des cadres à bloc. Donc, voici notre contribution. Merci, que Dieu bénisse. Mais là-bas, on a oui. Et la gouvernement est
Comme les jeunes gens, on est ensemble.
maintenant. Je suis président du COGEF de l'école de Gros. Hein? Je m'appelle Denis Saint-Michel. Après le passage du prophète Crasso, ça a été du jamais vu. Donc, dans un premier temps, je remercie le prophète Crasso par le bien de ce village, par le bien de l'école du Gros, parce qu'ils m'ont mis au devant de cette école. Prophète Crasso, je te remercie. Et nous te soutenons. Gros te soutient. Parce que c'était du jamais vu. On a eu un passage de, pour ne pas énumérer des gens, ici. Ce village, c'est un village chrétien. C'est pas un village animiste. Mais, Gros, nous n'avons pas de dévot. On est toujours resté là. Et du jamais vu, un homme catholique religieux, soi-disant chrétien, ce don-là, on n'a jamais reçu. Et j'ai brandi ça. Mais dans le nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui guérissent. Pour cela, je te dis merci. L'application de Dieu dit merci. Et cet argent va aller droit à ceux qui ont droit. C'est pas mal. C'est pour la population. Les enfants qui ont reçu la 36e. Au niveau de Frata, ça là, moi je suis là, il faudrait qu'il ait un suivi. Je préfère que tu aies un suivi. Prophète, je te dis, nous te disons, quoi qu'il dise, nous te soutenons, et qu'on est avec toi. Merci. Ok, c'était encore l'intervention, l'émotion de celui à qui revient le portefeuille, parce que c'est lui qui est le chef de son ministère. Voilà, c'est ça aussi, hein, les honneurs. Donc, sur ce, de l'autre côté, il y a toute une grande chose. Voilà, mais le prophète est celui. Voilà. Mais comme le programme aussi était donné, bon, sinon, de notre côté, vraiment, il y a plus grande chose. Bon, ça va être dit. Merci encore pour le village de Gros. Vous savez qu'il y a des cartes de notre Dieu. Apporte, Seigneur, n'est-ce pas, le développement dans ce village. Parce que la Bible déclare que c'est avec toi que nous ferons des exploits. Nous te bénissons encore pour cette population que tu bénis. C'est la rentrée scolaire d'ouvrir les portes, Seigneur, notre Dieu. Et Dieu bénit encore ses parents d'élèves, afin qu'ils puissent scolariser leurs enfants, Seigneur, notre Dieu. Et permet que de gros soient des cadres. Bénis ce village, c'est dans le nom de Jésus, je prie, on dit Amen. Amen.